cancer, oui, marchons-y, marchons-y, dans nos mains, oui, de traître, du sol, soyons seul maître, marchons-y, marchons-y, pour le pays, pour les ancêtres, marchons. Nous n'avons un état qui est en déchéance et que seul une tête ensemble, un dialogue politique sincère et profond capable de sortir Haïti côté lié. Je dis à grand pile pour leader politique qui a géré le pays ça depuis 25 ans, ils continuent à violer innocence population, ignorance population. Pour yon dire n'importe qui bagay. Alors que jusqu'à présent, c'est yon, ces générations pour des politiciens ça, des intellectuels ça qui ont géré le pays. Depuis 25 ans, c'est yon qui ont géré le pays. Crise là, je dis, c'est crise yon. Crise élite intellectuelle là. Crise élite politique là. Crise élite économique là. C'est responsabilité yon. Je dis, elle pas normal pour que ces mêmes messieurs, ils ont fait pays, ils ont fait deux camps. Eux-mêmes, et les élus, nous-mêmes, députés, sénateurs, magistrats, nouvellement élus. C'est deux camps, ça gagne. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Nous avons un pays côté élite, pays a contribué pour y arriver là. Il n'y a pas l'autre solution, qu'il faut qu'on sorte côté NIA dans un dialogue. C'est ça qui justifie maintenant toute une série de réunions qui ont commencé depuis El Rancho le 28 décembre dernier et qui a continué encore. Pour que le pays soit capable de gagner des élus avec un minimum de légitimité et que les élus soient capables d'engager, ils sont capables de prendre responsabilité pour réunir la nation pour nous chercher celui qui est plus bon pour le pays. Solution, monde qui perd l'élection avec partisans proposés, c'est pour annuler tout ça qui est fait pour nous recommencer à zéro. Dans quel moment, dans un moment côté dans 30 jours, nous n'avons pas ni président, ni gouvernement, ni député, ni sénateur, ni magistrat. C'est ça. Donc c'est une position irresponsable. Il faut qu'on ait le courage pour nous dénoncer. C'est une position irresponsable. Mais maintenant, je dis comme solution, je vais mettre un gouvernement de transition. Je vais chercher des gens qui ne sont pas dans l'élection du tout. Je vais le mettre dans le palais. Encore, ça, c'est une position abracadabra. Ou pas bien l'armée pour imposer un monde, nous ne pouvons pas qui bon sorti. Ou bien yon moun pa yo, comme on va le faire, installer, imposer dans le palais. Ou pas une force d'occupation avant, ou pas les Américains avant, comme on va le faire, installer, imposer yon moun dans le palais. Donc c'est des gens qui sont à la recherche de la guerre civile. Nous-mêmes, il faut que nous rejetions toute solution, toute position qui peut permettre nous à déchirer yon avec l'autre toujours. C'est ça que fait, nous dit, nous commençons dans le département pas nous, pour nous réunir tout le monde qui a une responsabilité, qui a fait une responsabilité, pour nous conduire le pays dans le dialogue, dans la concertation, dans la tête ensemble. Pour nous garder comment nous sommes capables d'arriver avec le monde qui est en opposition, avec le monde qui est en société civile, pour nous bailler une alternative. Pour que nous commençons à reconstruire le pays. Et reconstruire le pays, c'est reconstruire l'État. C'est l'État fini. Le premier bagage que nous avons pour nous faire, c'est mettre l'État sous pied. C'est mettre l'institution sous pied. Mais ce n'est pas parce que nous sommes élus que nous sommes capables de faire pour compte nous. Nous ne sommes pas capables de faire pour compte nous.
même si pas de contestation, même si pas de protestation. C'est là pour nous chercher solution. Solution n'est pas non pour nous gonfler tête nous comme magistrats, comme députés, comme sénateurs nouvellement élus, pour nous dire c'est nous peuple à bail mandat. Ni solution tout par moun qui dit que jodi a faut nous recommencer à zéro. Non. Solution c'est dans le dialogue. Pour nous faire dialogue là, faut que nous parlions d'une seule voix. Faut que nous comprenions bagay la même gens. Faut que nous battions nous mêmes responsabilités. Et faut qu'on rassemble les élus dans tout le pays. Réunion qu'a fait pour nous samedi. C'est une réunion d'importance. Si nous avons des radios matin, même député et sénateur, malgré le moniteur sorti avec nous, journal de moniteur, nous tendez que au Sénat de la République, 10 sénateurs restants, le dit au beaucoup près, conditions beaucoup réunies, pour que Jean Constitution dit le 2e lundi de janvier, pour que nous gagnions une chambre des députés, nous gagnions le Sénat de la République. Pays a un danger. D'ailleurs, mais nous, chaque grand monde qui est réuni là, chaque grand magistrat qui est là, au nom du département du Sud, puisque nous avons un quorum là, environ 12 communes sur 18, pour nous connaître, nous avons une grosse responsabilité aujourd'hui pour que nous fassions face à ce danger. Danger à qui s'allier, c'est que les Américains ne peuvent pas accepter de continuer dans l'obéissance à tout temps. D'ailleurs, très énervé, mission sur mission, émissaire sur émissaire. Et le président Obama, ça fait 2e lettre l'écrit à la ministre, demandé pour qu'il y ait un président le 7 février. 2e lettre qu'elle lui-même l'a signé comme président des États-Unis. Il faut que nous comptons tout ça. Après, ce n'est pas le président Obama. Il faut qu'on sache pas arriver. Parce que ni magistrat, ni député, ni sénateur, ni président, ni opposition. C'est pour ça que un pile n'est qu'à travailler là. Après, pas bien lettre, c'est l'armée américaine qui a pris en position. Tout le monde a perdu. C'est la seule solution qui était. Ou pas bien l'armée pour corriger en Haïti. Ou pas bien société civile qui pour faire personne dans des raisons. D'ailleurs, ces conseils électoraux depuis 20 ans, c'est l'émanation de la société civile. La société civile a toujours eu au moins 6 membres dans chaque conseil électoral qui passe. C'est l'échec de la société civile haïtienne. Mais c'est l'échec de la communauté internationale également. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, même une élection pour l'être, tout n'est pas capable. Donc, il y a une seule solution. Même pas quoi, il y a un bon mandat pour nous entrer dans la solution. Ça. Pas quoi, il y a une opposition qui toujours dirige le pays, qui sait qu'il y a une élite politique pays à tout. Pas quoi, il y a un mandat pour mettre le pays en bas botte. Vraie porte là, gros porte là, occupation, beau occupation. Donc, c'est ça, peut-être ça moi-même, qui fait des voix PAM. Nous prenons l'initiative avec d'autres magistrats, avec le magistrat jeudi, avec le maire de Carrefour, pour nous dire, on réunit le monde jeudi à peuple là-bas et mandat. On fait sacrifice, on connaît les dieux, nous sommes dépensés un peu de l'argent, un peu d'énergie, nous sommes fait un peu d'ennemis. Malgré les résultats préliminaires, nous avons un combat toujours, un combat électoral. Même penser si ça nous était pour nous dépenser comme énergie, comme sacrifice, comme l'argent, pour nous arriver à un dialogue sincère dans deux départements, dans deux pays, ça vaut la peine pour nous sauver, ça nous capable de sauver. Donc c'est ça qui justifie cette réunion aujourd'hui au CAI, le 6 janvier 2016, pour nous capables, avec l'autre département qui est en concertation, pour nous capables de participer activement dans toute solution que le pays a apporté. Je vous remercie pour l'attention. Nous faisons le même constat avec la commission. Et nous faisons le constat avant. La commission venait les chiffrer et puis l'officialiser. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit comme élus. Solution, c'est que les gens qui sont élus, ils prennent ça en compte. C'est des problèmes pour bailler des réponses. Mais maintenant, au niveau des conseils électoraux, il y a participé de la haute cour de justice.
Mais pour gagner votre cour de justice, il faut un parlement fonctionnel, député et sénateur. Donc ça veut dire, je dis, il y a conditions pas réunies pour dire ou pas le voyer un juge électoral devant maintenant la haute cour de justice. Maintenant, les membres, les agents électoraux ou bien les superviseurs, etc., une fois que vous préparez le dossier, vous parlez devant un tribunal ordinaire, pas un tribunal spécial pour vous-même. Hein? C'est des infractions que la loi haïtienne, maintenant, punit, reconnaît et que vous sanctionnez. Donc, il faut que nous baillons le temps pour que le gouvernement fait respecter la loi, doit faire respecter la loi, mais maintenant, il y a un momentum. Donc, momentum, ça, c'est nous encore pour créer. Mais lorsqu'on dit annulation, annulation, mais pas des conditions encore pour personne rendre compte des actes. Maintenant, dernière phase, comment on comprend des élus, maires, députés et sénateurs, ils ne peuvent pas cohabiter avec un président pas élu. Mais c'est des intellectuels, lui, qui ont dit que ça n'a pas de prise. C'est des anciens députés, des anciens sénateurs, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas mettre un président, qui ne peuvent pas cohabiter avec des députés, des sénateurs, des maires élus. Ça n'a pas existé sur la planète, là, aucun côté. Donc, je dis à nous-mêmes, nous arrivons à la raison. Nous reconnaissons des problèmes. Nous reconnaissons des péripéties électorales depuis 25 ans dans le pays. Ces mauvaises élections conduisent nous là. 2001 conduit nous tous droit dans l'occupation. Nous reconnaissons ça. Mais nous reconnaissons tous, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour chercher bonne solution, bonne réponse à problème ça. Mais maintenant, il faut que nous ayons une responsabilité. Responsabilité, c'est publier les résultats définitifs. Hein? C'est permettre que tout est lieu installé et que lui a engagé avec la société civile et les autres partis de l'opposition pour chercher une réponse adéquate à tout problème, dont les questions électorales. Nous, là, d'abord, en tant que citoyens, les citoyens engagés, puisque nous, au plus haut niveau de la politique, nous avons une élection et que le peuple a donné un mandat. Nous, là, en tant qu'élus, nous avons un moment où le monde qui a assuré la gestion de la communauté, nous sommes arrivés dans le bout. Nous avons tout avec une grosse responsabilité parce que nous connaissons un pays qui a un président de la République là-dedans, comme exécutif avec le gouvernement. Mais à la base, dans chaque commune, il y a un exécutif local. Et il se trouve que dans 30 jours, il n'y a pas d'exécutif national encore avec un président légitime, un gouvernement légitime, si la situation politique a été comme ça. Nous-mêmes, nous avons une situation de confusion. CEPA jusqu'à présent pour publier les résultats définitifs. Qui peut avoir une légitimité suffisante pour que nous soyons capables d'assurer la relève. Cependant, ce qui est plus important, c'est le degré d'engagement, le degré de sacrifice. Nous avons une obligation politique aujourd'hui pour nous faire une bataille. Pas une bataille pour nous sauver un poste magistrat. Mais une bataille pour nous participer dans la lutte que le pays a connue depuis plus de deux siècles, une lutte pour l'émancipation citoyenne, une lutte pour la démocratie, une lutte pour l'état de droit, une lutte pour le développement économique et social. Pour nous capables efficaces dans la lutte ça, que nous avons là-dedans déjà, il faut que nous bien comprenions en jeu la question pour nous partager ensemble. Depuis le 26 août dernier, le 26 octobre 2015, nous avons vu une crise qui a eu la crise électorale. Élection faite, il y a une loi électorale à Mandela, il y a des partis politiques, il y a des candidats qui contestaient. Les premiers résultats préliminaires au bail, il y a des partis et des candidats qui sont insatisfaits et qui prennent la rue à faire protestation. Je crois qu'il y a un pile de bagailles comme Jean, la commission présidentielle d'évaluation
ce deal là dans rapport hier qui plus fort bagaille dit c'est vrai. Constat au fait c'est vrai. Si m'a résumé constat ou une chaîne de responsabilité qui commençait depuis le conseil électoral qui finit dans l'agent bureau de vote. Il y a un bureau de vote qui est incompétent, il y a un bureau de vote qui maintenant des positions partisanes, positions fanatiques. Il en est de même pour les conseillers. Il est valable pour les partis politiques qui choisissent n'importe qui monde mettre comme membre de bureau de vote, comme mandataire. Donc regardez le contenu de sa commission d'évaluation en bord là, c'est pas si on a prêté le 25 octobre, c'est pas un bagage qui est monté de toutes pièces. C'est que depuis de tout, depuis le président de la République jusqu'à ses citoyens, nous ne prenons pas le pays au sérieux. Nous ne prenons pas la politique au sérieux. L'élection, c'est un jouet lié. En dépit de pile d'argent, en pile de sacrifice, en pile d'énergie, en pile d'ennemi qui est en élection. C'est ça qui passe là, je veux dire. Si la presse a pris une photographie, je t'ai une photographie, nous, plusieurs bureaux côté de mon voté, notre apport vraiment c'est indémandable. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ou bien nous sommes capables de prendre ça comme prétexte pour intégrer Haïti? Moi, je dis non. Et je pense que chaque monde qui l'a, je dis, a dit non. Crise électorale, là, c'est expression, c'est symptôme. Crise politique pays, crise société pays. Nous ne sommes pas capables de faire élection. Nous pouvons accepter la démocratie. Nous pouvons accepter les règles là, qui l'ont gagné, qui l'ont perdu. Nous pouvons comprendre notre situation qui est née là. Nous sommes en état failli. Nous sommes en état qui est en déchéance. Et que seul, on peut être ensemble, un dialogue politique sincère et profond, capable de sortir Haïti pour délier. Je dis à grand pile pour les deux politiques. Qui a géré le pays ça depuis 25 ans, il continue à violer l'innocence population, ignorance population. Pour y dire n'importe qui bagaille. Alors que jusqu'à présent, c'est eux, ces générations pour des politiciens ça, des intellectuels ça qui a géré le pays. Depuis 25 ans, c'est eux qui a géré le pays. Crise là, je dis à ces crises, yo. Crise élite intellectuelle, là. Crise élite politique, là. Crise élite économique, là. C'est responsabilité. Yo. Je dis à pas normal pour que ces mêmes messieurs, yo fait pays, a fait deux camps. Yo même et les élus, nous-mêmes, députés, sénateurs, magistrats, nouvellement élus. C'est deux camps, ça vient, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Nous avons un pays côté élite pays a contribué pour arriver là. Il n'y a pas que l'autre solution qu'il faut qu'on sorte côté Nia dans un dialogue. C'est ça qui justifie maintenant toute une série de réunions qui ont commencé depuis El Rancho le 28 décembre dernier et qui a continué encore. Pour que le pays soit capable de gagner des élus avec un minimum de légitimité et que les élus soient capables d'engager, ils sont capables de prendre responsabilité pour réunir la nation pour nous chercher celui qui est plus bon pour le pays. Solution, les gens qui perdent l'élection avec les partisans proposés, c'est pour annuler tout ça qui est fait pour nous recommencer à zéro. Dans quel moment, dans un moment côté, dans 30 jours, vous n'avez pas ni président, ni gouvernement, ni député, ni sénateur, ni magistrat. C'est ça. Donc c'est une position irresponsable. Il faut qu'on ait le courage pour nous dénoncer. C'est une position irresponsable. Mais maintenant, je dis comme solution. Ils ont pas mettre un gouvernement de transition. Ils ont pas chercher des gens qui partent dans l'élection du tout. Ils ont pas mettre dans le palais. Encore, ça c'est une position abracadabra.
ou pas gagne l'armée pour imposer yon moun nous pas prendre qui bonne sorti ou bien yon moun pa yo comme on va le faire installer imposer le palais ou pas gagne force d'occupation avant ou pas gagne les états américains avant comme on va le faire installer imposer yon moun dans palais. Donc c'est des gens qui à la recherche de la guerre civile. Nous-mêmes, il faut que nous rejetions toute solution, toute position qui peut permettre nous à déchirer l'un avec l'autre toujours. C'est ça que fait, nous dit, nous commençons dans le département PANO pour nous réunir tout le monde qui a une responsabilité, qui a fait ma responsabilité, pour nous conduire le pays à un dialogue, dans la concertation, dans la tête ensemble. Pour nous garder comment nous sommes capables d'arriver avec les gens qui sont en opposition, avec les gens qui sont en société civile, pour nous bailler une alternative, pour que nous commencions à reconstruire le pays. Et reconstruire le pays, c'est reconstruire l'État. C'est l'État fini. Le premier bagage que nous devons faire, c'est mettre l'État sous pied. C'est mettre l'institution sous pied. Mais ce n'est pas parce que nous sommes élus que nous sommes capables de faire pour nous. Nous ne sommes pas capables de faire pour nous. Même si pas de contestation, même si pas de protestation. C'est là pour nous chercher une solution. Solution n'est pas non pour nous gonfler tête, nous comme magistrats, comme députés, comme sénateurs nouvellement élus, pour nous dire c'est nous, peuple, qui avons le mandat. Ni solution à tout, pas nous qui dit que aujourd'hui, il faut nous recommencer à zéro. Non. Solution, c'est notre dialogue. Pour nous faire dialogue, il faut que nous parlions d'une seule voix. Il faut que nous comprenions les choses à la même gens. Il faut que nous battions nos mêmes responsabilités. Et il faut que nous rassemblions les élus dans tout le pays. Réunion qu'on fait pour nous samedi, c'est une réunion d'importance. Si nous avons des radios matin, même députés et sénateurs, malgré les moniteurs sortis avec nous, le journal Le Moniteur, nous attendons que. Au Sénat de la République, dit sénateur restant, je dis au beaucoup près, conditions pour réunir, pour que Jean Constitution dit le 2e lundi de janvier, pour que nous gagnions une chambre des députés, nous gagnions le Sénat de la République. Pays a un danger. D'ailleurs, mais nous, chaque grand monde qui est réuni là, chaque grand magistrat qui est là, au nom du département du Sud, puisque nous gagnons quorum là, environ 12 communes sur 18. Pour nous connaître, nous avons une grosse responsabilité aujourd'hui pour que nous fassions face à ce danger. Danger à qui s'allier, c'est que les Américains ne peuvent pas accepter de continuer dans l'obéissance à tout temps. Et ils sont très énervés, mission sous mission, émissaire sous émissaire. Et le président Obama, ça fait 2e lettre écrite à la ministre. Demandez pour qu'il y ait un président de cette pays. 2e lettre, lui-même le signé comme président des États-Unis. Il faut que nous comptions tout ça. Après, ce n'est pas président Obama. Il faut qu'on ne sache pas arriver. Parce qu'il n'y a ni magistrat, ni député, ni sénateur, ni président, ni opposition. C'est pour ça que un pile n'est qu'à travailler. Après, pas qu'il y a une lettre, c'est l'armée américaine. Qui a pris une position, tout le monde a perdu. Mais c'est la seule solution qui était. Ou pas de l'armée pour corriger en Haïti. Ou pas de société civile qui pour faire personne dans des raisons. D'ailleurs, ces conseils électoraux depuis 20 ans, c'est l'émanation de la société civile. La société civile a pris au moins 6 membres dans chaque conseil électoral qui passe. C'est l'échec de la société civile haïtienne. Mais c'est l'échec de la communauté internationale également. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, dans mes élections, il n'y a pas de faire. Donc, il y a une seule solution. Même pas quoi, il y a un bon mandat pour nous entrer dans la solution. Ça. Pas quoi, il y a une opposition qui toujours a dirigé le pays, qui sait qu'il y a une élite politique du pays, tout. Pas quoi, il y a un mandat pour mettre le pays en bas, bon, vrai pot là, gros pot là, occupation. Pour occupation. Donc, c'est ça, peut-être ça moi-même, qui me fait devoir pas moi.
Nous prenons l'initiative avec d'autres magistrats, avec le magistrat jeudi, avec le maire de Carrefour, pour nous dire, on réunit le monde jeudi à peuple là-bas et mandat. On fait sacrifice. On connaît les dieux du monde. On se dépense un peu de l'argent, un peu d'énergie, on se fait un peu d'ennemis. Malgré les résultats préliminaires, nous n'en combattons pas. Un combat électoral. Même penser si ça nous était pour nous dépenser comme énergie, comme sacrifice, comme l'argent, pour arriver à un dialogue sincère dans le département, dans le pays, ça vaut la peine pour nous sauver cette capacité. Et c'est ça qui justifie cette réunion aujourd'hui au CAI, le 6 janvier 2016, pour nous capables, avec l'autre département tout qui est en considération, pour nous capables de participer activement dans toute solution que le pays a. Je vous dis merci. Attention. Jean-Gabriel Fortuné, même moun ki pa gen men di yo mwen magouille yo, moun ki pa gen zye di yo wè magouille yo, commission, rapport commission di gen magouille. Jusqu'à maintenant, même nou bouik, même nou chat pa yon arrêté nan kad magouille ap di ki genye nan kesyon eleksyon. Comment on comprend ça ou même? Nous fait même constat avec commission. Et nous fait constat yo avant. Commission vini li chiffré et puis l'officialiser. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit comme élu solution, hein, c'est que monde qui est élu, il a prend ça en compte. C'est des problèmes pour bailler des réponses. Mais maintenant, au niveau des conseils électoraux, il participe de la haute cour de justice. Mais pour que la haute cour de justice soit parlement fonctionnel, députés et sénateurs, de ça veut dire jeudi, il y a conditions pas réunies pour dire ou pas le juge électoral devant maintenant la haute cour de justice. Maintenant, les membres, les agents électoraux ou bien les superviseurs, etc., une fois que vous préparez le dossier, vous parlez devant un tribunal ordinaire, pas un tribunal spécial pour vous-même. Hein? C'est des infractions que la loi haïtienne, maintenant, punit, reconnaît et que vous sanctionnez. Donc, il faut que nous baillons le temps pour que le gouvernement fait respecter la loi, doit faire respecter la loi. Mais maintenant, il y a un momentum. Donc, momentum, ça c'est nous encore pour créer. Mais lorsqu'on dit annulation, annulation, mais pas des conditions encore pour personne rendre compte des actes. Maintenant, dernière phase, comment comprendre des élus, maires, députés et sénateurs, ils ne peuvent pas cohabiter avec un président pas élu. Mais c'est des intellectuels, lui, qui ont dit bagaille ça dans votre presse. C'est des anciens députés, des anciens sénateurs, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas mettre un président, qui ne peuvent pas cohabiter avec des députés, des sénateurs. Des maires élus, ça n'a pas existé sur la planète à aucun côté. Donc, je dis à nous-mêmes, nous arrêtons à la raison. Nous reconnaissons des problèmes. Nous reconnaissons des péripéties électorales depuis 25 ans dans le pays. Ces mauvaises élections conduisent nous là. 2001 conduit nous tous droit dans l'occupation. Nous reconnaissons ça. Mais nous reconnaissons tous ces nous-mêmes haïtiens. Qui vous cherchez bonne solution, bonne réponse à problème ça. Mais maintenant, il faut que vous bonne responsabilité. Responsabilité, c'est publier les résultats définitifs. Hein? C'est permettre que tout est lieu installé et que lui a engagé avec la société civile et les autres partis de l'opposition pour chercher une réponse adéquate à tout problème, dont les questions électorales.